Bonjour les amis, encore une petite vidéo. Voilà, je vais partager avec vous encore une petite bricole. Ici, c'est une chaîne à peu près fait 1 mètre, 1,20 m. Ça, un crochet qui était forgé là. Ici, il y a 3 crochets, 3 bouts de chaîne qui vont sur un petit tuyau. Hein. J'ai aplati ça ici là. Hein. Et ici, c'est une petite pièce qui s'ouvre comme ça. Bon, ça ici, c'est un tendeur de fil. Pour quand on veut installer le grillage ou on peut faire un enclos qu'on veut mettre du barbelé et tout ça, ça peut servir pour ça. Voilà, ici c'est le point qui va attacher le fil qui va venir dans le poteau, qui est fixé dans le poteau, hein. ça c'est, il y a des vis ici, hop. Après on visse ici, on coince bien le fil, ça il vient s'accrocher là comme ça. Après ici c'est ce qui va au poteau, hein, qui va en poteau là, où on passe le fil qui vient de là-haut, qu'on va le mettre bien tendu, et on le roule autour du poteau, et après on l'attache ici, hein. Ça nous évite d'acheter les petits tendeurs de rien du tout qu'on achète dans le commerce, qui ne savent rien, hein, et que c'est un prix fou. Ou on tâche, on tourne le fil autour du poteau, et on l'attache après ici, ou on attache un morceau de fil et on arrive ici après avec les deux pointes, hein, quand c'est bien tendu, hein, pour faire un nœud ici. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Ça c'est comme ça, que le fil est pris ici et l'autre fil qui vient du poteau, hein, voilà, ça, le premier crochet il vient là comme ça, hein, après il reste comme ça, et quand on tire comme ça, on fait comme ça le premier coup, cette chaîne, elle vient là, regardez, hop, elle s'accroche ici. Et quand on tire ici, oh, hop, celui-là, il vient, hein. Celui-là, il reste tout mou, il reste libre, hein. Voilà, il reste libre. Allez, on tire. Et on va avoir, comme ça, on va venir l'accrocher ici, hop. Après, quand on tire comme ça ici, regardez, celui-là, il vient toujours. Et celui-là, il reste libre. Voilà. Allez, hop. Et on accroche toujours au quatrième. Tac. Comme ça. On accroche toujours au quatrième comme ça. Et ça, ensuite, voilà. Regardez. Ça libère un. Hop. Et on va bien mettre le fil bien tendu. Hein. Quand le fil est bien tendu, si on veut faire un nœud ici, qu'on a une pointe qui vient de là-haut, hein, qu'on veut faire le nœud ici, voilà, il y en a, j'ai les deux clés là, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, on va la mettre là dans le fil, comme ça, hop, on la serre ici, ça bouge plus le fil, hein, voilà, voilà, attends. Ok, regardez, celui-là, il est là, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il est bien tendu, on prend cette clé-là, comme ça. Et, oh, elle va, attends, comme ça. Elle va le prendre comme ça. Bon, là, c'est pas trop facile, que le fil n'est pas tendu, mais regardez. Allez, on donne un nœud comme ça. Oh, hop, hop, voilà. Après, on sort, on coupe la pointe. Et après, il faut faire l'autre ici. Hein? Et faire l'autre ici, c'est celui-là, voilà, on prend celui-là aussi, et avec la clé, oh, hop, on tourne, voilà, on tourne, voilà, simple, voilà, après on ouvre ici, et on a seulement à sortir, et il a coupé les pointes ici, les pointes là, et voilà, le fil il est attaché. Il sort plus de là. Voilà. Après qu'on fait tout attaché ici, tout est bien fini, hein, tout est tendu, bien fini. On arrive ici, on ouvre, et voilà, et on sort la pièce du fil, et puis c'est tout. Voilà, un tendeur de fil de barbelé fait maison avec du matériel de récupération, ça c'est du petit tôle, de petite fer plat, hein, mais ça pareil pour la clé, hein, ça, voilà, il est là le tendeur,
Là, c'est comme dit, on peut l'attacher ici avec les clés là, comme on peut faire le tour là du fil, deux tours autour du poteau, et après l'attacher là, et puis c'est tout. Hein. Voilà, il y a deux solutions. Et autant que ça donne le tendeur là, autant que ça donne pour mettre du fil comme ça, ou comme du fil de barbelé. C'est impeccable, on arrive à mettre bien les fils bien tendus avec ce système, et c'est facile à faire. Voilà, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. À la prochaine.